De violentes émeutes la nuit dernière dans la banlieue de Strasbourg après la mort d'un jeune homme. Une crise d'épilepsie aurait entraîné le décès. Faut pas enterrer Karim demain. Une fois rendu à la famille, un corps peut plus faire l'objet d'un examen juridique. Vous devriez prendre vos propres photos. Nous aussi on est de la famille, il y a moyen d'annuler. Ne récupère pas le corps, je vous laisserai pas faire ces noms. Mais réveillez-vous. On va pas se laisser faire. Non. Maître ? Ah, madame Aliadari. Vous connaissez mon cas ? C'est la crise d'épilepsie. Mais c'est pas une crise d'épilepsie. La police est hors de cause. Il faut créer un mouvement. Vous voulez faire de la politique avec la mort de notre frère, quoi. Ça va se retourner contre nous, vos trucs. Elle a raison. Non, mais là, on n'a pas le choix, papa. Et grâce à qui on en est arrivé là ? T'as banni Karim. C'est à cause de toi qu'il a dérivé et on te laisse quand même prendre le contrôle. T'es vraiment la patronne, toi. L'important, c'est de se concentrer sur le message que vous voulez transmettre. T'es croisé les jambes. Vous voyez bien que jusqu'ici, on n'a rien obtenu en étant docile. C'est à toi de trancher, Malika. Si tu veux continuer, on continue. Ça va finir quand, cette histoire ? Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu peux pas me dire que mon frère est mort pour rien. Au moment où les experts confirment les mensonges du parquet, on ne cédera pas.